On va continuer avec Raphaël de Blablaro. On va parler plutôt d'une série. Alors, il y a un indice sur sa tête. À votre avis, de quelle série on va parler particulièrement ? Breaking Bad, voilà, c'est très bien, c'était simple. Donc je te laisse parler de Breaking Bad et surtout des scènes de chimie qu'on peut voir dans ce type de série et voir à quel point c'est vrai ou pas. Donc je te laisse. Merci. Je vais me mettre un petit peu debout. Un petit peu debout, vas-y. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc moi c'est Raphaël, je suis prof de chimie en classe prépa et passionné de vulgarisation de la chimie. Et notamment, comme on l'a dit, du coup, si vous me cherchez sur le web, c'est Blablaro au labo pour la vulgarisation de la chimie. Déjà, qui a vu Breaking Bad parmi vous ? Et les autres, vous vivez dans une grotte ou c'est quoi l'histoire ? Ce dont je vais vous parler, c'est une scène qui concerne le premier épisode de la saison 1. Comme ça, je me dis, je ne vous spoile pas trop. Donc, ceux qui veulent regarder cette série, c'est très intéressant. Alors, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pourriez vous dire, je vais peut-être vous apprendre à cuisiner de la méthamphétamine. Non, je ne ferai pas ça. Mais on va quand même devoir un peu en parler, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est comment un professeur de chimie peut éliminer très rapidement deux gangsters et s'en sortir. Alors évidemment, un professeur de chimie valide, hein, pas comme moi, parce que si je me fais attaquer par deux gangsters maintenant, je pense que j'irai pas bien loin. Alors, parfait. Donc sur la diaporama, là vous voyez que c'est la méthode en fait, de synthèse non détaillée, évidemment, pour que vous ne puissiez pas la reproduire, de la méthamphétamine. Alors pour vous raconter rapidement le début de l'histoire sans spoiler, Walter est un professeur de chimie atteint d'un cancer et en fait pour subvenir à long terme aux besoins de sa famille, il décide de s'associer avec un de ses anciens étudiants pour cuisiner une drogue très très dure qu'on appelle la méthamphétamine et pour la vendre. Voilà, donc la série en gros tourne autour de ce prof qui devient petit à petit un criminel et c'est une série tout à fait passionnante même si l'image que ça donne de la chimie laisse peut-être à désirer parce que ça sert surtout à détruire, tuer et fabriquer de la drogue. Mais bon, alors la pseudoéphédrine, hop, c'est cette molécule là, vous voyez, et il y a une petite boule rouge dessus et en fait la pseudoéphédrine, je ne sais pas si vous savez dans quoi on peut la trouver, peut-être certains d'entre vous. Alors dans des médicaments, c'est un vasoconstricteur. Bon, dans certains médicaments, on l'a. Et maintenant, étant donné qu'elle est utilisée aussi pour faire de la méthamphétamine, les médicaments qui en contiennent sont disponibles uniquement sur ordonnance, évidemment. Donc vous pouvez vous la faire passer. Et en fait, toute la synthèse... Alors je suis désolé, il va falloir que tu avances un peu. Ouais, merci. Toute l'histoire consiste juste à enlever la petite boule rouge. Et si vous enlevez la petite boule rouge, ça va changer drastiquement les effets de cette molécule. Et là, vous avez une drogue très très dure. Vous voyez que sur mon schéma, on a trois ingrédients. La pseudoéphédrine, de l'iode, donc c'est ce qui est au-dessus de la flèche sous forme d'acide iodhydrique ou d'iode. Et en dessous, le phosphore rouge. Alors pourquoi on précise que le phosphore est rouge ? Une idée peut-être ? Comment ? Et parce qu'il n'est pas forcément rouge. En fait, tout le monde connaît Sangoku, rassurez-moi. Tu peux passer la slide ? Ouais. Ah, t'es allé un peu loin, mais bon, c'est pas... Voilà. Le phosphore, c'est un peu comme les cheveux de Sangoku, si vous voulez. Ça a plusieurs formes. Il peut être rouge, il peut être blanc, il peut être violet, il peut être noir. Et sa réactivité, ses propriétés, va dépendre de son organisation et donc de sa couleur. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le phosphore rouge, qui normalement est plutôt inoffensif. Mais en fait, quelque chose qu'il faut savoir avec cette fameuse synthèse de la méthamphétamine, c'est que quand elle est mal faite, vous pouvez en mourir. C'est pour ça que je vous invite à ne pas le reproduire chez vous. C'est que si vous ne mélangez pas les ingrédients dans le bon ordre, que vous ne contrôlez pas bien vos conditions, s'il te plaît, vous risquez de créer cette petite molécule avec un phosphore et trois atomes d'hydrogène, qui est un gaz mortel. Et donc, plusieurs fabricants de méthamphétamine sont morts dans leur labo en maîtrisant pas bien leurs conditions. Alors, avant d'avancer et de vous montrer la scène, vous ne pouvez pas le deviner, donc je vous donne cette info. Ces trois ingrédients, si vous prenez l'un d'eux séparément dans un solvant chaud, il n'y a pas de problème. Globalement, ça ne va pas vous tuer. D'accord ? Il y a un ordre dans lequel il faut les introduire. En revanche, si vous mélangez de l'iode et du phosphore rouge et que vous chauffez un peu trop fort, là, vous risquez d'avoir du gaz phosphine et donc de mourir. Maintenant que vous savez ça, je vais vous proposer qu'on regarde la petite scène. Vas-y, on peut passer à celle d'après. Et donc, regardez très attentivement. Donc là, on est dans le premier épisode. À un moment, Walter se fait choper par deux gangsters qui essaient de lui subtiliser sa méthode de synthèse de la méthamphétamine pour devenir très riche, évidemment.
Et je vous propose de voir comment notre professeur de chimie, qui sait comment transformer la matière autour de lui, va tenter de s'en sortir. Et après ça, on débriefera, vrai ou faux, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit. On y va. Phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride. Phosphine gas. One good whiff and... Bon, alors, il manquait un petit bout de la scène juste après l'explosion en fait que Walt génère. On entend les deux gangsters suffoquer. Voilà, c'est ce qu'il explique derrière. On peut avoir du gaz phosphine qui fait suffoquer. Alors, d'après ce que vous avez vu, vous validez ou pas sa méthode? Est-ce que je vous ai dit regardez attentivement. Est-ce que vous avez regardé suffisamment attentivement? Au tout début de la scène, on le voit faire quoi? Ouais, il fait chauffer de l'eau. Il fait chauffer de l'eau. Et ensuite, il jette tout le phosphore rouge dedans. Et du coup, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport aux ingrédients? Dans quel cas c'était dangereux, pas dangereux? Merci. Et oui, que tout va bien, que un des trois ingrédients pris seul ne posait aucun problème. Et le souci vient justement du moment où on va mélanger l'iode, le phosphore rouge et chauffer tout ça. Donc au final, cette scène, on s'est fait arnaquer. Ouais, on s'est fait arnaquer. C'est dommage pour une série qui est aussi bien. Et ce qui est encore plus dommage, vous allez voir, si vous avez bien regardé, il a quoi en face de lui, Walt? Au moment où il prend le phosphore rouge? Vous avez lu les étiquettes ou pas? Alors, on va mettre la diapo d'après. Et voilà, si vous regardez bien, il a pris le phosphore rouge, mais il avait de l'iode. Donc c'est d'autant plus dommage qu'il avait les bons réactifs en face de lui, finalement, pour générer le gaz phosphine. Et puis il a oublié de mettre l'iode. Donc c'est un petit peu décevant. Mais je vous dirais quand même d'aller voir cette série. D'ailleurs, je ferai une petite série d'épisodes sur ma chaîne YouTube pour décrypter d'autres scènes, parce qu'on apprend aussi dans Breaking Bad comment faire disparaître un corps ou comment redémarrer un van, ce genre de choses qui peuvent servir de temps en temps. Et je finirai par ceci, parce que c'est une série qui est, je trouve, extrêmement intéressante, mais malheureusement qui ne véhicule pas une bonne image de la chimie. Gardez en tête que, comme toutes les sciences, la chimie, elle n'est pas porteuse d'intention. On peut l'utiliser pour faire le meilleur comme le pire. En l'occurrence, c'est une série qui montre le pire, mais j'espère que si vous regardez, vous l'apprécierez. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci aux organisateurs du DubCon Festival qui m'ont invité à cet événement et j'espère que cette petite rediffusion de mon intervention vous aura plu. À propos des films et séries, je projette de faire une série d'épisodes sur la chaîne Blablor au labo de manière occasionnelle pour décrypter des scènes de chimie, déjà dans Breaking Bad, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais pourquoi pas dans d'autres séries ou films. Donc ce que je vous propose, c'est un, de me dire dans les commentaires si ça vous botte déjà, qu'on fasse ça, et deux, proposez-moi vous-même des choses que vous voyez dans des films ou des séries où il est question de chimie, d'une molécule, je sais pas. Vous me précisez la série, le film, la scène, moi je regarde ça, je décrypte et je vous le fais en vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez de la chimie plus régulièrement, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez également soutenir la création de vidéos grâce à Tipeee et Utip. Et quant à moi, je vous dis à bientôt au labo. Thank you.